Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kobragourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Endless Space 2. Ça faisait en gros 3 semaines que j'avais pas joué au jeu, et ça fait du bien d'y revenir dessus, puisque quand j'enregistre, quand je fais mes sessions de jeu, que j'enregistre le jeu, je joue en gros 1h30, j'enregistre 3 vidéos. Et donc ça faisait 3 semaines que les vidéos sortaient les unes après les autres. Alors, Spock l'a bien noté. J'ai fait la méga énorme boulette la semaine dernière. Ah, faute, hein, j'avais pas fait gaffe. Quand je lui ai fait le terme, vous le savez, vous l'avez vu. J'ai fait ma demande. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe en cliquant. Le fait de changer, ça réinitialise souvent la contribution demandée. Et j'ai pas fait gaffe que j'étais à une brume. Bon, bah c'est fait, hein, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lui, c'est le destructeur de planètes. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que j'en fais? Faut que je le modifie. Je peux pas le garder comme ça. Il vaut mieux que je m'en utilise, puisque je l'ai créé uniquement pour détruire ce système. Maintenant, je m'en fous. Ou alors, j'attaque des systèmes à eux et je leur détruis des planètes. Mais je crois pas que ce soit efficace. Alors, on va venir ici et on va modifier le Skate 4. Donc, on sort. Qu'est-ce que c'est ça? Rayon d'interférence et des boucliers. Dégâts par seconde 4. Chance de coup critique 5%. Type d'arme énergie. Ah ouais. 100, 100, 100. Les armes à IUM désactivent le sous-système visé pour une durée limitée si l'attaque réussit. Ah, est-ce que ça vaut le coup? Bonne question. Fais-moi voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai l'assiégeur. Et voilà. Donc j'en ai un qui est énergie pure. J'en ai un qui est projectile pur. Donc celui-là, moi j'ai envie de le faire, c'est ma façon d'être, hein. Je suis particulier. Et je vais en faire un mix. Alors comme j'ai pas encore débloqué toutes les j'ai même pas les armes adamantian et... Attendez un peu. Ah non, ça va pas du tout ça. Où elles sont? Si, voilà, je vais récupérer des armes énergie. Ouais, je vais sloter ça aussi. Et celle-là, je vais la déplacer. Alors, elle était en 7. Je vais te mettre en 2. Pour avoir les missiles et les armes. Bon, on va voir. On va voir. Donc, au final, je vais pas toucher à ce skate-là pour le moment. Donc, lui, il est bon. Est-ce qu'il faut que je le renvoie quelque part, non? Là, ça tourne. Lui, il est en train... Voilà, il est en train de venir ici pour relancer le Quadrinix. Je pourrais mettre un peu d'antimatière. Non, c'est bon. Lui, il va revenir ici. Et Columba, j'ai rien. Oh là 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 là. Je fais une modernisation, je la lance. Ça coûte tellement cher. Ça aussi, c'est pas mal, mais... tous les autres systèmes sont occupés. Ah non. Ouais, là, ça devient... Bon, je peux pas créer l'obélisque, parce que de toute façon, je suis à court de ressources. Bien-être. Ah, je suis qu'à 86% extatique, là, hein, quand même. C'est plus du 100%. Hein. Bon, allez, on met ça. Que je vais de toute façon sortir de nombreuses encore flottes. Mais au secours!
Mais au secours! Mais vous pouvez pas vous occuper vous tout seul, non? Bon, le monsieur Spock, depuis le début, il m'a dit « Hey, il faut que tu fasses de l'influence, il faut que tu fasses de l'influence. » Bon, ouais, monsieur, bien, chef. Ah. La question que je me pose toujours, et depuis le début, c'est « Est-ce que mes flottes sont suffisamment nombreuses, suffisamment puissantes par rapport aux ennemis ?» Mais c'est horribilis. Non mais les exilés, vous êtes horribilis. Mais il faut être multimilliardaire dans ce jeu pour coloniser une planète. Vous êtes fous. Mais c'est des dingues. C'est des dingues. Oh de Dieu. Je veux bien coloniser tout ça, mais... Parce que j'ai pas... Attendez, alors... Donc on l'a dit, on a, il y a, hop, on sait pas où ils sont, hein. C'est marqué Bouchir, Takim, Gano, Gobris. Moi ils sont marqués dans les flottes, eux ils sont marqués à un endroit, donc on sait pas s'ils sont en flotte ou sur planète. Sans affectation, c'est celui qui s'est fait virer, c'est ça? Non, là il y en a un deuxième sans affectation. Blessé, 30 tours. Eh ben dis-moi! Ah si, voilà, troisième gardien vide. Ah, donc on peut savoir même le nombre de flottes qu'ils ont, dites-moi. Blessé, 30 tours sans affectation. Ah mais c'est le pirate. Empire inconnu. Oh oh. Blessé 30 tours. Blessé 30 tours. Eh ben dites-moi. Alors, sans affectation. Une flotte. Une flotte. Donc ça fait deux. Ah mais non, celui-là c'est le mien. Donc il n'y a qu'une flotte. Et puis ça c'est les bleus clairs. Les Horatio. Oui, non, mais les verts clairs, ils n'existent plus. Alors, pas de flotte. Une flotte. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ils ont que 5 flottes, avec des héros, attention. Et le bleu clair. Deux flottes, avec des héros. Moi je t'ai pas affecté toi d'ailleurs. Ah oui, voilà, parce qu'il est là. Ah merde. Je voulais le mettre là, mais... Ah, ça me gonfle. Ça me gonfle. Bon, ben, je vais t'assigner un système, j'ai pas le choix. Voilà, j'ai un sans affectation, mais il est blessé. Encore 5 tours. Donc, ok. Voilà, et donc, Aquarius, je mettrai celui qui est blessé. Voilà. Et donc dans deux tours, l'antimatière. Déjà ? Au secours. Ah. Ils sont venus l'aider. Oui, c'est ma petite flotte que je vous ai montrée qui est là-haut. Voilà, ici. Donc, il a envoyé une flotte.
Ils se dissimulaient. Normalement, voilà, mes vaisseaux ont été aménagés, mais... Est-ce qu'on peut déplacer les vaisseaux pour former de meilleurs groupes? Peut-être comme ça, c'est pas mal, non? Ouais. Il est très possible que... ouais, ça va être difficile. Il faudrait que j'arrive à booster mes... Ouais, mais ça, pourquoi pour les deux flottes? Déconnez pas, bon sang. J'ai pas le choix. Je suis obligé d'utiliser celui-là, mais... Diminue la puissance d'attaque. Ça va pas du tout, ça. Bon, on va tenter le coup, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Je risque de perdre des vaisseaux. Ça, c'est clair. Pourquoi il a que deux, lui? Alors que moi, vous forcez à m'en mettre trois, bon sang. Et voilà, je perds des... Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas ça comme vaisseau, moi. C'est quoi ces images à la con? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais c'est pas ma flotte, ça! Mais à quoi il joue, ce jeu? Oh! Ah, je suis pas d'accord, moi, là! Non, mais ça va pas, c'est ça, mes vaisseaux! Qu'est-ce que c'est que ce Beans, porcel? Bon alors, ça c'est quoi? Ah, c'est le ferrig. Où sont mes flottes? Ah, j'en ai une là. Ah merde. Mais à quoi vous jouez? Cet itinéraire traverse les frontières fermées. Putain, mais venez pas m'emmerder, sérieux. C'est un système qui est pas... Ah, oh, c'est pas parce qu'il est sous l'influence. Ah là, je vous avoue que c'est la première fois que je vois un bug pareil dans ce jeu. Bon. Et ça me plaît pas du tout. Je suis pas content d'avoir perdu une flotte comme ça. Hein. Bon, il va falloir que vous vous mettiez à bosser et me fabriquer des vaisseaux. Hein. Mais malheureusement, il me faut des ressources. Ouais, je suis un peu à la ramasse au niveau des ressources, les amis. Il va falloir que je bosse parce que sinon... Bon, bah, si, au pire, j'en achèterai, mais enfin, ça m'emmerderait. La défaite ultime. Alors là, je viens d'y passer.
Allez, je vais les renvoyer ici et je vais fabriquer la nouvelle flotte là. Ouais, celle-là que j'avais amenée ici, alors faut qu'elle revienne maintenant. Qu'elle revienne ici pour aller pour pouvoir sauter. Aïe 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 aïe. Pendant un instant, eux, ils vont se déplacer. Et là, j'ai plus de flotte. Qu'est-ce que j'ai comme ressources que je peux vendre? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Bon, j'en ai. Et ça, ça vaut quoi? Ça vaut cher. Oh bordel, ça vaut cher. Et ouais. 500 000 pour tout prendre. Ils l'ont rechargé. Mais comment ils peuvent la recharger? Ils peuvent réinstaller des trucs si facilement? Attends qu'on m'explique. Bam. Alors. Un nouveau vaisseau vient de sortir ici. Mais. Allez, on rassemble. De toute façon, j'ai pas le choix pour le moment. Ouais, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire petit à petit. Ah, c'est Ginus, il n'y a encore plus rien. Vous construisez trop vite, les mecs. Hein. Doucement, enfin. Je peux pas suivre, moi, derrière. Hein. Bon alors, toi, je dis, voilà, allez, viens ici. En fait, j'ai beaucoup de choses. Je vais tout vendre parce que je massacre le marché, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Pour faire des échanges. Bon, avec 300 000, ça va, je vais pouvoir en sortir, mais bon. Attends, on voit le prix. Oh, bon sang. Ah oui, évidemment. Retirer les singularités, blablabla. Bla bla. Non, on le fera pas. Non, voilà, on dénonce. Pas mener des recherches hein, et baisser le happiness de mon peuple. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce système est en phase de conversion pacifique en raison de la sphère d'influence de notre empire. Le coût en influence diminue au fil du temps, mais n'atteindra jamais zéro. La conversion ne sera achevée qu'une fois l'influence payée. C'est moi qui gagne de l'influence, vous croyez? Oh, ça serait trop fort. Bon, quelques héros.
Et voilà mon second mastodonte militaire. Bon, alors, on avait dit qu'on allait le basculer en titan. Il est où? Voilà. Voilà. Encore une qui vient de sortir à Takim. C'est vous qui allez vous déplacer en bas. Oh là là. Non. Oh non. Elle est déjà sortie. Au secours. Mais au secours, les amis. Ça va trop vite. Vous construisez trop vite, enfin. Voyons. Oh là 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 là. Bon, allez, j'en arrête là pour aujourd'hui. Ben, je me suis pris une raclée. Voilà, une belle rouste. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ben, il faut que je... J'ai du boulot. Oh là 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 là. 5 systèmes, il faut que je rebascule des trucs. Je vais essayer de continuer à construire quelques vaisseaux, mais on va le faire petit à petit. Et on se dit à bientôt dans la suite de Endless Space 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, je vous joue beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut. Bye bye.